là-bas. Il vient, il viole, il paye cet homme avant. Il dit, mais elle a fait quoi? Elle se lève la nuit, elle a fait quoi? Viens-y. Il a commencé à mépriser David, le banaliser. C'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de te banaliser. Allons-y. Le méprisant, ne voyant en lui qu'un enfant. Il a vu un enfant. Blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Des bâtons, tu as pris pour l'air. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mm-hmm. David dit au Philistin, tu marches contre moi. Tu marches contre moi. La lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Amen. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Oui. Du Dieu de l'armée d'Israël. Le Dieu de l'armée d'Israël qu'on appelle Yahweh. Que tu as insulté. Jehovah Shabaoth, que toi tu as insulté. Frère, il a insulté Dieu. Le fait même qu'il t'a empêché de te marier, c'est insulter Dieu. Parce que Dieu t'a créé pour que tu te maries. Il est en train de s'opposer à une volonté de Dieu dans ta vie. Allons-y. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. L'Éternel te livrera entre mes mains. Amen. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Alléluia. Amen. Amen. Et l'Éternel te livrera entre mes mains. Amen. Amen. Frère, l'Éternel va livrer ton ennemi entre ta main. Pas pour jouer avec lui. Pour lui trancher la tête. Amen. Il ne va plus réfléchir. Vous savez que c'est la tête qui pose la couronne. Lui, il a pris ta couronne, l'ennemi. Toi qui étais roi, que quelqu'un d'autre a pris la couronne, tu vas lui trancher la tête et reprendre ta couronne. Amen. Dis amen. Amen. Allons-y. Et tous, aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Mm-hmm. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Très bien. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Dis amen. Car la victoire appartient à l'Éternel. Je disais en bon Dieu, quand quelqu'un perd un combat spirituel, c'est que l'Éternel n'a jamais été avec lui. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et la victoire est dans ton camp. Dis amen. Amen. Faut pas avoir peur d'un combat. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Amen. N'oubliez pas l'aspect combat. Réunion sur toi, attaqué, c'est normal qu'on t'attaque. Amen. Amen. Mais tu auras la victoire dans ce combat. Amen. Non, aujourd'hui, là, vraiment, tout le monde, les gens se sont ligués contre moi, c'est normal. Mais la suite, c'est toi. Amen. La victoire sera de ton côté. Amen. Parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons faire. Je vais vous montrer une action prophétique. Vous n'allez jamais mourir dans un accident de circulation. Amen. Vous me regardez. Dans le fait de Jésus, il y a anti-accident. Amen. Il y a anti-physique. Amen. Il faut être spirituel pour comprendre la parole. Et toute arme, c'est-à-dire une voiture, sans effet. C'est-à-dire physique, sans effet. Amen. Vous pensez quoi? Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Moi, j'ai vécu un accident grave sur l'autoroute. Mon chauffeur a entendu grave. La voiture est partie. Oh, ça fait, ça a pivoté comme ça, comme une pupille. Sur l'autoroute, ça va à gauche. Gars. Je suis serré dans ma voiture. Parce que je n'ai pas dit à mon chauffeur, je dis jamais, tu vas me voir faire un accident de circulation. Jamais. Il ne croyait pas. Pas, ça jeté dans le ravin. Je suis sorti cinq jours. Les gens courent. Est-ce qu'il n'y a pas de mort? J'ai dit, vous allez tous les gars canaliser. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Dis amen, dis amen. Les doseaux là en tissu et ça rentre pas. C'est pas chez toi ça va rentrer. Amen. Amen.
Moi, j'ai vécu un truc bizarre une fois d'alors. Depuis ce temps-là, j'ai pris 9 jours. Et j'ai pris la parole de Dieu. Il dit, le jour, quelqu'un va tirer sur moi. Si ça résonne, c'est que toi, tu n'es pas Dieu. Vous me regardez, c'est vous qui jouez la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Le diable est copié sur Dieu. Entre Satan et Dieu, qui copie sur le camarade? Hein? Restez là, le diable va vous distraire. Vous pensez que celui qui a le pouvoir, non, on dit, ça ne rentre pas. Celui qui a le pouvoir, il a pris ça de Dieu. Isaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Le jour qu'on brandit, le jour que tu vois braquage,